Hello, salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Sous famille, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Beach Brave Souls. Et donc on va parler des 7 nouveaux accessoires qui seront là pour le 15 mai. Donc le 15 mai à 9h. Donc 7 nouveaux accessoires disponibles. Nous rebalancerons certains accessoires existants au même moment. Tous les détails sont ci-dessous. Donc voilà, comme nouveaux accessoires, on a le nouvel du Seireitei numéro spécial, le distributeur Papyrus, le distributeur Chapi Doré, distributeur Yuki, Aori de Capitaine, Ogyoku Incomplet et Enraku. Donc voilà, c'est quand même cet objet super intéressant et très cool niveau statistique. Donc pour le distributeur Chapi Doré, il y a juste en 5 étoiles, donc uniquement. On peut l'avoir aussi uniquement avec les loteries accessoires. On peut pas les avoir dans des tickets ou bien dans des évolutions d'objets, c'est impossible. Donc l'effet du distributeur Chapi Doré, c'est pression spirituelle réduite à 0, donc comme le Chapi normal, autre aptitude augmentée. Donc à mon avis, ça sera quelques pourcentages en plus. Donc ouais, le Chapi normal, c'est 30%. Peut-être que là, il y aura 36%, 40%, mais pas plus. Je pense que Mathieu avait dit 36%, si je me trompe pas. Donc voilà, on verra de toute façon le 15. Ensuite, on a le distributeur Yuki. Donc le distributeur Yuki, c'est le petit canard là. Donc ça, tu peux l'avoir en 4 ou en 5 étoiles. Tu peux l'avoir dans la boutique, comme tu peux l'avoir en ticket de loterie, comme tu peux aussi l'avoir en évolution. Donc voilà, si j'ai un conseil à vous donner, gardez vos cœurs de renforcement que vous faites tous les jours et gardez vos objets 3 étoiles, comme ça vous avez beaucoup de chance de n'en recevoir le 15. Donc le distributeur Yuki met la concentration à 0, donc oubliez les coups critiques. Et la pression spirituelle et l'endurance sont augmentées, donc ça c'est vraiment pas mal pour ceux qui jouent leur perso avec pression spirituelle, ça j'aime bien. Donc ensuite on a le distributeur Papyrus, donc c'est le distributeur avec la tête de hinge, la tête de chien. Lui-ci la même chose, tu peux l'avoir dans les tickets, dans les évolutions, dans les loteries accessoires. Lui par contre c'est aussi la concentration réduite à 0, mais il valorise l'attaque et l'endurance, donc ça aussi c'est pas mal. Surtout si on veut jouer par exemple avec le distributeur Yuki et Papyrus. Surtout si on a des personnages hybrides, donc comme Ginjo et pas mal d'autres personnages, on peut le jouer en pression spirituelle et en attaque tout simplement, donc c'est parfait. Après on a le Enraku. Le Enraku c'est le petit nounours rose. Donc celui-là tu peux l'avoir en 3 étoiles, en 4 étoiles ou en 5 étoiles. Le Enraku augmente considérablement l'endurance des humains. Donc les humains c'est les Fullbring, Orime, Chad et tout ça. Et donc c'est pas mal. Sinon après on a Aori de Capitaine. Aori Capitaine c'est un peu le même concept, sauf que c'est pour les Shinigami uniquement. Il augmente considérablement l'endurance aussi. L'Ogyuko incomplet, la même chose. Donc, tu peux l'avoir en 3, 4 ou 5 étoiles. Et ça augmente considérablement l'endurance des Arrancars. Donc des Arrancars c'est quoi? C'est les Arrancars 4 étoiles, les fractionnes, t'as les Espadas et tout ça. Donc après on a le nouvel du Seireitei numéro spécial. Lui par contre tu peux l'avoir qu'en 4 ou 5 étoiles uniquement. Tu peux pas l'avoir en évolution d'accessoire ou dans les tickets de loterie. Tu peux l'avoir que dans la loterie accessoire. Donc ça c'est dommage. Et voilà, ça augmente beaucoup votre expérience. Je pense à 50% si je me trompe pas. Donc voilà. Sinon, bouclier du clan Shiwin. L'effet du bouclier du clan Shiwin sera augmenté comme indiqué ci-dessous. Accessoire. Donc bouclier du clan Shiwin avant en 4 étoiles donnait 10% d'effet. Et maintenant donne... Avant il donnait 10% d'effet, maintenant il donne 20%. Et en 5 étoiles, avant il donnait 15%, et maintenant il donne 30%. Donc c'est énorme. Franchement c'est énorme pour les persos qui se jouent avec les skins, c'est vraiment pas mal du tout. Nouveaux accessoires disponibles dans les évolutions. Des nouveaux accessoires seront disponibles comme résultat des évolutions d'accessoires. La liste des nouveaux accessoires disponibles est ci-dessous. Donc voilà, le distributeur Yuki, le distributeur Papyrus, le Enraku, le Aori de Capitaine, Ogyuko incomplet et reconstituant physique. Donc ça c'est pas mal. Le distributeur Chapi Doré et les nouvelles Seireitei numéro spécial ne peuvent être obtenus en faisant évoluer un accessoire. Donc voilà, je l'avais dit. Nouveaux accessoires disponibles dans la loterie accessoire. Les nouveaux accessoires sont rajoutés dans la loterie accessoire. En conséquence, vous pourrez désormais obtenir un accessoire de rareté 5 étoiles dans celle-ci. La liste des accessoires ajoutés est ci-dessous. Donc voilà, distributeur Chapi Doré, la nouvelle Seireitei numéro spécial, distributeur Yuki, distributeur Papyrus, Enraku, Aori de Capitaine, et Ogyuko incomplet. Suite à l'ajout d'un accessoire 5 étoiles dans la loterie accessoire, les tickets de loterie à accessoire 4 étoiles seront renommés tickets de loterie à accessoire 4 étoiles, 4 ou 5 étoiles, d'accord. Ah, donc ça c'est pas mal. Ça c'est pas mal du tout. Ça veut dire que même avec un ticket de loterie 4 étoiles garanti, on peut avoir un 5 étoiles. Donc franchement, c'est pas mal du tout. Donc ça veut dire qu'on peut avoir le Chapi Doré, donc ça c'est pas mal du tout.
Donc ouais frérot, c'était tout pour cette vidéo. Je voulais vous présenter les 7 nouveaux accessoires qui arrivent pour le 15 mai à 9h du matin. Donc voilà, si j'ai un conseil à vous donner, gardez vos cœurs de renforcement, vos objets 3 étoiles. Et le 15, après 9h, tentez des évolutions. Et je suis sûr que vous allez recevoir du Chappy, Papyrus, Yuki et tout le reste. Donc voilà, moi en tout cas, si j'ai une chose à vous dire, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à lâcher un petit like. Et surtout, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Ciao la famille Coupolet.